est chouette comme toi. Regarde ton visage. Il faut aller d'abord te faire le décapage pour prendre la parole. Une femme qui parle politique, se retrouve dans des réseaux sociaux en train de parler les histoires de double cible. C'est de ça qu'il s'agit au Cameroun, c'est ça, être une femme politique. Porte encore l'habit du RDPC, voir. Montre le catégorie du RDPC. Parle encore au nom de Biya. Tu as été sommé. Et cela ne te suffit pas? Ahmed Kamel dit avoir des relations dans le Cameroun. Tu as des relations dans le Cameroun, tu dors encore en cellule? Vous avez dit que je n'irai pas au Cameroun, je serai interpellé. J'ai fait 4 mois. J'ai attendu nuit et jour mon arrestation. Vous n'êtes rien dans le Cameroun. Une femme. Taïm surtout zout. Une femme. Abori Bamba au bureau. Tu avais dit que toi tu peux. Moi je suis née dans la misère. Je n'ai jamais été l'enfant d'un riche. Moi j'ai dormi dans le, sur un gras par terre. Donc moi, je ne vais jamais venir dire que je suis milliardaire ou riche. Je suis une illettrée. Mais je suis une illettrée qui sait lire. Je suis une illettrée qui comprend beaucoup de choses. Madame Chapuis, je n'irai jamais vendre mon derrière sur le bureau d'un homme à Yaoundé pour mettre le carburant dans ma voiture. Je ne serai jamais locataire à l'est ou à l'ouest. Est-ce que tu as compris? Le jour qu'on va à la Polonie, va aller vivre dans une province, je serai accueilli et on vous donnera un logement. Madame Chapuis, tu es l'exemple de quelle femme dans le Cameroun? Tu peux parler au nom de quelle femme, Wolesa? Tu représentes la racaille. Tu es différente d'une femme du camion? Parce que tu as porté le RDPC comme je l'ai par balle? Moi, quand je porte le biaïsme, c'est pour l'intérêt de la nation. Et je interpelle mon père par l'amour de mes frères. Aoua, Aminga, tu peux parler au nom de qui? De l'enfant de qui? Le sort du Cameroun dépend d'une bordel comme toi? Une sapara? Une femme qui a demandé qu'on extermine les autres? Une femme qui a volé l'argent du contribuable camerounais? Nous avons écouté tes voix. Tu as commencé sur vous. Tu as mis ta soeur à Yaoundé. Quand les femmes de Yaoundé parlent, quand nous parlons de politique au Cameroun, tu peux parler de politique. Hein? Et bien, tu peux parler de politique? Qui t'envoie parler au nom de la République? Tu penses que ça va encore fonctionner comme ça? Tu veux mettre les Camerounais en défi? Tu veux faire quoi? Tu veux prouver quoi à qui? Donne-moi, montre-moi une lettre de mission. Quand tu vas dire, je suis l'abeille, on va t'écraser. On va faire de toi ce qu'on fait à tous les abeilles. Quand quelqu'un voit l'abeille, quand un Camerounais voit l'abeille, il a envie de faire quoi? De tuer l'abeille. Oui, on va t'éliminer sur la scène politique. Ta place n'est pas sur un plateau de la politique. Hein? Alors, tu prends le nom de ce monsieur à Chapuis, parce que vous, quand vous voulez voler, vous portez RDPC. Quand vous voulez tromper le Cameroun, vous portez biaïste. Ce n'est qu'une tenue que tout le monde peut porter. Oui, et quand je lève la voix, je porte biaïste. Oui, à Madame Chapuis. Oh, Neza. On est là, il est sur fait. On ne me dit pas quoi sur fait. Hein, tous les hommes. Hein? Mirengane, on tourne les juristes. Hein? Tu as venu parler au nom de quelle république? Les Camerounais ne peuvent pas se déchirer. Les Camerounais ont peut-être été faibles quelques minutes. Mais les Camerounais se sont ressaisis. Où sont passés tous les groupes et piment Kamel? Laisse-moi, c'est la guerre dans la famille. Ne juge pas mon habit, laisse-moi, c'est la guerre. Attends d'abord que je mette la main bien ma tenue. Voilà, vous savez que faut être élégant de parfois. Voilà. Bah, tu n'as même pas mis le soutien, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Chapuis,